Ah, enfin Shine, tu es enfin arrivé. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bien bonjour, ne reste pas à l'entrée. Excusez-moi, je sais que j'ai un retard, mais j'ai eu un petit contretemps. Alors si je suis prête à travailler, où est-ce que je m'installe? Ne perdons pas plus de temps, on va t'installer tout de suite. Tu me suis? Oui, d'accord, j'ai compris. Comme convenu, tu feras la réception. Ouais, je vais t'expliquer le déroulement du showroom. C'est une tapis Shine, mais j'espère pour toi qu'elle va faire du bon travail. T'inquiète pas, laisse-moi gérer. Parce que cette fille, toi tu la connais pas, mais nous on la connaît très bien, c'est une vraie mégère. Quelle histoire? On m'a bien informé de qui elle est et quelles sont ses motivations. Je gère. Donc je ne vous présente pas, vous connaissez tous Shine. Donc tout ce que vous devez savoir, c'est que Shine est maintenant notre nouvelle réceptionniste. Eh bien Shine, j'espère pour toi que tu nous fourniras un bon travail, que tu seras sérieuse et surtout ponctuelle. Oui, bien sûr, j'ai compris, hein. Je serai à l'heure la prochaine fois. Et par contre, ici, c'est monsieur le directeur. Merci. Oui, monsieur le directeur. Ah là là, je sens que ça va être chaud ici. Yo frérot, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite sortie ensemble. Ouais, grave, ça fait longtemps. En plus que frérot, ça me dit tant. Ah là là, mais en plus, faut la folle de Shine, là. Faut travailler au showroom. Faut, je te dis même pas, frère. Stressant, tu, moi. Ah ouais, ça me fait plaisir. T'en penses quoi, Snake? Dès qu'il y a un endroit où il y a des femmes, je sais pas, toi, vous savez déjà. Ah, mais j'y... Ou pas la smithy formatée, frère. Bon, vous savez déjà, c'est moi le baratineur. Yo, attends. En parlant de ça, on va créer une show, là. Allô, poupée, allô, poupée. Alors, tu viens ou pas? Ok, ma jolie, je t'attends. Ah là là, mission est même fort. Bon, ok, je suis arrivé là. Eh ben, il y a du monde hein, là. Hein. Bonjour tout le monde. Salut. Bonsoir. Bébé, je te présente mes amis Ted et Will. Ravi. Enchanté de faire ta connaissance. Enchanté, ravi de vous connaître. Tu m'accordes cette danse, bébé? Mais bien sûr, on y va. On est enfin arrivé. Eh ben, qui? Tu m'as emmené où, là? Eh, si, je t'ai emmené dans une petite soirée tranquille. Eh ben, tiens, on voit que tes amis sont là. Ah oui, t'as bien raison. C'est pas Chippy que je vois là-bas? Rentrons, tu veux? Il faut, les gars, Gassagale là. Ciné, King. Bonsoir, Ciné. Yo, King. Bonsoir, messieurs. Ah oui, là, tu es là. Yo, poteau, bien ou quoi? Alors, toujours bien accompagné? Bonsoir, tout le monde. Eh ben, Ted, c'est déjà. Je ne pars pas sans elle. Et je tiens vraiment à la récupérer. Kin, tu m'accordes cette danse? Ok, Kin, je te suis. On y va? Allez, suis-moi. On n'a plus rien à faire. Quand l'enfer brûle ton paradis, on garde les souvenirs. Se met à rire, à pleurer, je suis dégoûtée. On envie de t'appeler. Frère, tu as dit quelque chose? On va passer à où est cette mission? C'est qu'elle grille, moi. Et frangin, t'as vraiment un kiff pour Sylvain, parce que frère, je comprends pas pourquoi ce gars-là t'énerve autant. Enfin bref, j'ai pas envie de parler de ça, ce gars-là m'énerve, mais en tout cas, j'ai envie de passer une très bonne soirée. Et frère Timbal, j'ai l'impression que t'es jaloux. Tiens, tiens, Sylvain est là, encore avec King. Ouais, t'as raison, hein. T'as pas trop de joie, ouais, c'est vrai, elle est là. En tout cas, moi, je tiens à passer une excellente soirée ce soir. Sur toi, hein, bébé, hein. Moi je compte bien passer une bonne soirée avec toi, hein. T'inquiète. Tu veux quelque chose à boire, Sim? Pourquoi pas? Moi je veux bien boire, mais par contre tu restes assis. C'est moi qui vais chercher les boissons.
Ça va, Will? Tu sembles perdu dans tes pensées. Ouais, ça va. En tout cas, Signe, je te trouve très ravissante. C'est dommage que tu aies un cavalier ce soir. Oh, wow. Merci, Will. Pourquoi? Tu aimerais être à la place de mon cavalier, c'est ça? À sa place? Non, mais pas seulement à sa place. À sa place, mais aussi dans ton cœur. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Mais non, Signe, reste. Je te sers un verre. Non, Will. Kim, il m'attend là, d'accord? Donc, si tu veux, on se voit plus tard, ok? Tu es sûr qu'il t'attend? Il parle avec Shine. Si tu veux, je t'accompagne, pas de problème. On peut le laisser là. Non, écoute, Will, tu sais, j'y vais, d'accord? À plus tard. Bon, ok, je vais pas trop insister non plus. Bon, on se verra au showroom. Ok, bonne soirée à toi. Alors, Kim, je vois que tu es accompagné avec cette fille. Tu viens pas me saluer? Bon, écoute, Shane, ne commence pas avec tes imbécilités. Moi, je veux juste passer la soirée avec Signe. D'accord? Donc, sors de ma table. Oh là 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 là, mais King! C'est beau, je te laisse, c'est chiant. Mais qu'est-ce qu'elle a comme ça à t'attirer, cette fille? On a passé vraiment un très bel après-midi à faire du shopping. Alors, bon, maintenant, passons à la caisse. Ah oui, oui, Massine, on a passé un bel après-midi, on s'est bien amusé. On vous doit combien? Calculez-moi le tout, c'est moi qui paye. Exactement, 783 €. Vous avez de la chance. Ah oui, oui, j'ai beaucoup de chance d'avoir une copine comme elle. Qu'elle en profite, car ce ne sera pas toujours le cas. Voilà, cela fait du bien de se détendre et de boire un bon petit café. Bon, je vais me détendre un petit peu. Oh oh, voilà Nana. Pour t'as là, toujours là? Bonjour les filles. Bonjour Nana. Je vois tu as dévalidé les magasins. Alors, t'as acheté quoi de bon? Tu poses beaucoup de questions. Non, je n'ai pas dévalisé les magasins. Et puis... C'était où? Il y avait une petite soirée hier. Imagine-toi, il y avait King et Signe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y avait Signe et King, et alors? Ah là là, Dana, j'ai dit ça comme ça. C'est pas à peine de monter sur tes gros chevaux. Oh! Bon, tu où ça? On va monter sur pour gros chevaux. Donc, bon, ma faveur au chien. Eh ben, Signe, il y a déjà du monde. Regarde qui est là, cette espèce de mégère. Eh ben, elles sont toutes là. Effectivement, il y a cette espèce de mégère, comme tu l'appelles. Si tu savais comment je supporte pas cette fille. Mais bon, allons nous asseoir. Salut les filles. Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour les filles. Ça va Dana? Je ne savais pas que tu étais en ville toi aussi. Tu connais déjà? J'aime beaucoup dépenser mon argent. Mais je ne savais pas que vous aussi vous étiez là. Et puis vous venez demain soir, les garçons jouent. Vous venez faire un tour? Pourquoi pas? Moi, je n'ai rien de prévu. En plus, je crois bien que mon doudou y joue. Vu que je n'ai rien de prévu non plus, donc je pense venir faire un tour. En tout cas, moi, je serai là. Où qu'a fait ça ouvert? Même si on n'a pas invité où? Ah ah! Ah là là, comme j'ai des choses à faire, donc ma chipie, on se boit ce petit chocolat chaud et après, on s'en va. Ok, Massine, je vais me reposer parce que ce soir, j'ai un petit rendez-vous avec mon chéri. Eh bien, mes chéris, on se dit à demain. Mon Dieu, les filles, regardez tout ça debout, mais qui a ce teint? Je dois avouer qu'ils sont vraiment, vraiment sexy. Regardez-moi comment ils bougent. Ils sont vraiment sexy, mon Dieu. Oh là là, j'ai envie d'aller sur le terrain. Vous avez vu King, là?
Il est vraiment sexy. Avec son petit jogging, il est vraiment craquant. Doté ou chai. C'est un kick qui nous quoi voir ce terrain-là. La la la, Dana. Je dis ce que je pense. Donc moi aussi, je vois les beaux mecs. Vous avez vu Will, comment il est? Plutôt bien bâti. Eh bien, les filles, vous n'allez quand même pas vous battre pour des mecs qui ne vous appartiennent pas. Si, t'es tout mec à fond mal. Et à ce que je vois, il me semble que King est sur Sin, pas sur toi, Shai. Et alors, qui vous prouve qu'il est sur Sin? Il n'y a pas que Sin dans la vie, hein? Shane, il y a un truc que je ne comprends pas. Tu as toujours des remarques à faire sur Sin. Si tu as un problème avec Sin, tu n'as qu'à lui parler. Oh là là, c'est bon. Moi, j'ai fini. Vous me saoulez. Voilà, Chippy, nous sommes arrivés. Eh ben, dis donc, il y a du monde. Hein? Comme tu dis, ma belle, il y a du monde. Et en plus de ça, je vois encore cette mégère. Elle est partout, celle-là. Oh, ma chérie, je vois que tu ne la supportes pas. Mais fais comme moi. Ignore-la. C'est bien pour toi que je lui dis rien, Sin. Allons-y, on y va. Tu viens? On y va. Sin et Chippy, c'est maintenant que vous venez. Vous avez failli tout rater. Regardez sous le terrain tout ce qui reste. C'est beau, spécimen. Ouvrez les yeux, les filles. Eh bien, Dana, faudra te calmer, hein. Ce sont des hommes. Ce ne sont pas des morceaux de pain. Pas la seule à baver sur rue. Regardez-moi cette chère chat. Oh, Dana, lâche-moi un peu. Fiche-moi la peine. Ne commence pas. Shane, tu n'avais pas quelque chose à dire à Sin? Oh là 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 là, je n'ai rien à dire à Sin. Vous commencez à m'agacer, hein. Écoutez-moi, les filles. On va tous se calmer. Shane, as-tu quelque chose à me dire? Non. Dana, on va passer un bon moment. Et ma Chippy, on a déjà parlé. Donc allons-y, on va s'amuser un peu sur le terrain. Personnellement, Sin, je n'ai rien à te dire, hein? Non. Allons s'amuser sur le terrain. Et vais femme hypocrite là! Hello, King. Toujours en train de bricoler une voiture? Salut, Sin. Ben, effectivement, oui. Ben, vu que je suis le garagiste du quartier, donc il n'y a pas le choix. C'est bien ce que j'ai constaté. On te donne toujours du boulot. On me donne toujours du boulot. Et sinon, toi, comment tu vas? Ben, je vais bien. Hein. Je suis juste venu te saluer, je ne reste pas. Bon, en tout cas, tu es ravissante avec ta petite tenue. Ça te dit de faire un tour plus tard? Désolé, King, mais pas ce soir. Et puis, je trouve qu'on se voit un petit peu trop. Je n'ai pas l'intention de retourner avec toi, King. Je tenais à te le dire. Alors, on se dit salut. Je vais faire un tour. King, tu veux me faire comprendre quoi encore? T'es sérieuse là dans ce que tu me dis? Donc si j'ai bien compris, j'ai aucune chance avec toi? Peut-être. Ou peut-être pas. Allez, salut. Ouais, ok, bref. Chippy, entre nous, entre toi et moi, tu sais très bien que Shane est une espèce d'hypocrite, une espèce de mégère jalouse. Mais Dana, je sais très bien c'est qui cette fille. Je passe mon temps à le dire à Sin, mais elle ne veut pas le voir. La fille est toujours là pour casser du sucre sur le dos de Sin. Elle m'agace, envie d'étrangler. Toi, tu as envie de l'étrangler, Dana, mais moi, je ne te dirai pas ce que j'ai envie de lui faire, parce que ce serait vraiment trop. Salut, King! Donc, entre ne pas la cette fille, je veux bien savoir ce que tu lui trouves. Écoute-moi, Shane. Fous-moi la paix, je ne suis pas d'humeur. Vu comment tu me réponds, je pense que t'as envoyé chier. Tu n'as pas moins de le courir après? Je t'ai déjà parlé, donc tu peux t'en aller, merci. M'en aller où, King? Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai un truc très important à te dire. Bon, bref, qu'est-ce que tu as à me dire, Shane? Dis-le-moi tout de suite. Ne t'affole pas, King. Je te le dirai, mais pas ici. Prenez rendez-vous pour demain soir. Ok, bon, bref, pour le moment, mais je veux que tu me fiches la paix. Ok,
Ok King, on se voit demain soir. Salut les filles. Salut Sine. Alors vous allez bien? Salut Will. Oui oui ça va et toi-même? T'as fini de t'amuser sur le terrain? Ça va, ça va. J'aimerais discuter avec toi quelques minutes. Tu veux discuter de quoi? Tu veux me parler du showroom? T'as un truc important à me dire? Viens, je te dirai. Tu veux aller où, Will? Tu veux aller où pour parler? Viens, viens, Sine. T'inquiète pas, tu le sauras. Allez, suis-moi. Allez, Sine, arrête de faire ta belle, là. Va écouter ce qu'il a à te dire. Ben, vas-y, on y va. Tu veux me dire quoi, Will? Pourquoi tu te colles sur moi? Sine, attends, attends. Écoute-moi. Regarde-moi. Reste là. J'ai quelque chose à te dire. Vas-y, je t'écoute. Pose-moi la question. Qu'est-ce qu'il y a, Will? Dis-moi, Sine, as-tu des sentiments pour King? C'est quoi ces questions, Will? Pourquoi tu me demandes tout ça? Je sais que King, c'est ton ex et qu'il veut retourner avec toi. Mais j'ai l'impression que t'as pas envie de retourner avec lui. Et je voulais savoir si t'as vraiment encore des sentiments pour lui. En quoi ça te concerne, Will? Dis-moi pourquoi. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de savoir? Sine, regarde-moi. Et réponds-moi franchement, s'il te plaît. Oh, Timal, qu'est-ce qu'il y a là? Pour qui ça au coup là, si fort mais comme ça? Pour qui ça là, j'aime. Sine, c'est fort alors. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, les garçons sont en train de se battre. Oh Timal, arrêtez fort. Oh Timal, oh, ma fous-toi à ton côté. Oh là, j'ai faim, mon frère.